Bonsoir, je suis Boubalito. Bonsoir, je suis Caris Fly. Bonsoir, je suis Big Flo et Oli. Bonsoir. Attention, petit rap de Léo. Je viens de la rue. Je suis Jean-Luc de la rue. Il est mort. Yes. Deux vidéos cette semaine, qu'est-ce qu'il y a? On est parti en vacances, on revient, on vous met deux vidéos alors. Vous êtes content? Nous on est content. Léo, tu vas bien? Ça va et toi? Nous sommes très excités car aujourd'hui nous sommes dans un ou une Escape Game. Qui m'en voudra? J'ai dit Escape... Ah, tu t'es fait couper par ta bonne amie, par Martin, meilleurs amis depuis le lycée, un gestion de qualité qui mixe les vidéos. Mais surtout un musicien. Chère communauté de 4 millions de gens, jugez sa beauté, est-ce qu'il est très beau ou pas? À vous de jouer, dites-le en commentaire. Est-ce qu'on peut mettre une photo de toi quand t'étais trop musclé là? Ah, photo de lui musclé. Car on fait un escape game ou une escape game. Je n'arrive pas à dire escape game, Pour ceux qui ne savent pas, qui ne sauraient pas ce qu'est un escape game, Carlito va vous l'expliquer avec l'accent du sud. Bien, tout simplement, l'escape game c'est un endroit clos, là qu'on retrouve en l'occurrence à Paris, mais qu'on trouve partout en France. On y participe en équipe en général, en amis, en famille, en couple avec ses parents. Si on a des bonnes relations avec ses parents, ça n'est pas forcément mon cas. Vous êtes de quelle région? Je suis région PACA. voilà, part de la Flyosque, on va à tour-tour, on boit un petit rosé, on redescend, rando, on fait quoi à la rando? Continue avec les gens québécois. Ah, tavernac, quand j'ai fait québécois, c'est belge. Oui, c'est belge. Alors, l'accent belge. Suis, c'est le belge. Le but du jeu est très simple, il faut sortir vivant. Mais c'est pas du tout québécois. On va mettre un extrait de la définition Wikipédia de l'escape game là maintenant. À préciser que l'escape dans laquelle on se rend se passe dans l'univers du film Glass, c'est-à-dire dans un hôpital psychiatrique. Il y aura dans le décor de l'escape room des petits éléments du film. Voilà. Il y aura peut-être des camisoles de force, il y aura peut-être des seringues, il y aura peut-être tous ces petits éléments inhérents. Une raclette par exemple. Non, pas du mais tout. Mais non, justement. Mec, c'est pas. Je propose un nouveau volet après Incassable, Split et Glass. Tu peux faire Caclon. Et c'est un mec qui a toujours des caclons sur lui. En tout cas, tout cet escape a été créé pour la sortie du film Glass, qui est aujourd'hui en salle. Alors si vous regardez cette vidéo demain, il est hier en salle. Si vous regardez cette vidéo dans deux jours, ça fait deux jours okay, qu'il est en salle. Ok, et on a vu le film en avant-première, on a eu la chance, et il démonte déjà Incassable, j'espère que vous en rappelez. Peut-être pour les plus jeunes d'entre vous n'ont pas vu Incassable. Et Split est une tuerie que j'ai adoré. Comment as-tu aimé Split? J'ai beaucoup aimé. Bien. Tout de suite, une image de Split. Ok, laisse tomber, mais plutôt un extrait de Glass, parce que cette vidéo, c'est pour parler de Glass, le film qui est sorti. Ok, c'est une tuerie. Et la nouvelle opus, c'est donc le troisième volet, on va dire, de la trilogie. Ah bah on peut le dire, on peut le dire. Ah, on peut le dire, finalement. Tu imagines, c'est l'instant. Il y a Bruce Willis dans le film. Léo Reflex. Et James McAvoy. Si ma roche une bougie, c'est extrêmement dur. James McAvoy, James avec McAvoy. Qui j'ai fait de la capoeira à Biarritz. Petite dédicace à James. Non, non absolument pas. Gérald, premier degré. C'était évident que non. Non, mais tu as vraiment c'était évident. De la capoeira. C'est incroyable de croire. Avec James McAvoy à Biarritz. Regardez, est-ce qu'on peut en mettre la réaction? Capoeira à Biarritz, petite dédicace à James. Mais non, il dit vraiment tellement sincère. C'est fou. Je vous jure, je joue pas aussi bien. Mais non. Donc on va y aller, on sait pas vraiment ce qui nous attend. Ça a l'air vraiment fou. Merci à Disney de rémunérer ce projet et nos équipes. Et n'oubliez pas que la piraterie n'est jamais terminée. Yes! Qu'est-ce que c'est? What the f... Oh la vache! Ah, bonjour. Bienvenue au Good Care Medical Institute, chers amis. Bonsoir. Bonjour, docteur. Professeur Santin, enchanté. Bonjour, professeur. Professeur Santin, enchanté. C'est vous. Enchanté. Je suis vraiment ravi de vous accueillir ici, vous, une équipe aussi professionnelle que la vôtre. Ah, il a le syndrome d'Asperger. Hein? Pardon? On disait qu'on aimait bien quand vous... Les Asperger. Ouais, ouais. Ah, putain! C'est anxiogène. Oui, mais vous... Mais c'est anxiogène, mais vous êtes bon acteur. Bien, alors, je sens, et je m'en réjouis d'avance, que nous allons réaliser de grandes avancées médicales. Vous pouvez parler, mon frère. Oui, c'est, tu hurles. Et à ce propos, il me semble que vous avez apporté un composé chimique particulièrement fragile. Hein? Dépêchez-vous d'ouvrir la mallette, il serait temps de le mettre à l'abri dans le frigo. Oh la vache. Alors, ouais, mais du coup, attends, la mallette. Okay. Oui, mais il faut un code pour la mallette. Attends. Exactement. Donc ça a commencé. Ne l'avez-vous pas? Le code. Le code, les gars. Si. Bah non. Bah si, non, non, on n'a pas, non, pas non, le code, professeur. Ne dites pas que vous êtes venu avec une mallette sans le code pour ouvrir cette mallette. C'est la faute de Léo, ouais. Parce que voilà. Mais non, il a préféré faire un spa au lieu d'étudier. J'ouvre, regardez, il y a vas-y, ça. Vas-y, je l'ouvre. Ouh, j'ai arraché un peu la preuve. Qu'est-il écrit? Cette mallette ne peut être ouverte qu'en présence de l'équipe française au complet, la France! Avec les clés précédemment mises à disposition et selon un protocole précis laissé à l'appréciation de l'équipe concernée qui saura quoi faire. Les clés. Là, dans la poche, j'en ai une clé. J'en ai aussi, moi. Ah, dans la poche, j'en ai une clé. Oh, la vitesse. Ok. Ah, bah, 7, 1, ah, 9. Attends, ok, mais attendez. Regarde. Ouais, mais il y a des codes, il y a des couleurs, là. Regardez, il y a des couleurs et on a chacun des... Bleu. Et surtout, c'est dans quel sens? Donc, il manque bleu, rouge, violet. Il nous manque des clés. On peut fouiller un peu des clés on ici. On se permet de checker, ok? Allez-y, je vous en prie. Les clés, où est-ce qu'on range les clés, les gars? Bleu. Là, j'ai une clé, mais regardez, elle est dans la glace. Ah ouais? Ouais. Ah, professeur, ça vous sert, ça?
Ah ben oui, fatalement, oui. Enfin, ça ne vous aidera pas à ouvrir la mallette. Ouais, ouais, c'est clair. Peut-être, bah laisse-la là-dessus. Ouvrez la mallette, le composé va s'évaporer. Voyons, allez, allez, allez. Cette pression énorme que tu nous mets. Ils nous ont dit, c'est pas dans des endroits ahurissants. Les clés, elles devraient être un endroit où on met des clés, tu vois. Mais n'avez-vous donc rien emmené avec vous? Mais on a d'autres... Ah putain, oui, oh bah... putain, on a une autre clé là. Oh putain, quelle bande de cons. Putain, oh, mais on est très nuls. Les clés étaient sur nous, il n'y a aucun mystère. Pour l'instant, nous avons raté la poche intérieure. Avoir votre diplôme à l'occasion. Ok, donc là, on a... Quelle couleur? Bleu, donc... rouge, jaune, violet, vert... Donc 3, 9, 7, et 2, 6, 1. Ok. T'es la première épreuve. Pardon? Ah la vache. Ah, ouvrons, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ouah, un iPad. Ah, ça bougeait plus. Laissez-moi faire. C'est extrêmement délicat comme manipulation. Il ne faudrait pas renverser ce procédé essentiel. Vous pensez que ce prof a conscience que la piraterie n'est jamais finie? Voilà. Et enfin, il faut... Prof! Il faut trouver la clé de mon laboratoire, je l'ai malencontreusement égaré. Il est allé dans le frigo, je suis sûr qu'il a oublié la clé dans le frigo. C'est celle qu'on a vue tout à l'heure. C'est ça. Ah, je l'avais donc égaré ici. Ouais, c'est ça. Bien sûr. De quelle tête d'olino. Il faut pas forcer, ils ont mais dit. Non, il faut... Il y a un truc qui chauffe ici. Il y a un truc qui chauffe. Non. Bah, si. Non. La vache, je pense que ça chauffe pas assez. Eh bien, professeur, vous avez une idée? Vous avez pas eu une idée par hasard? C'est bon, McFly, McFly. Est-ce que la glace est un jeu de mots avec le nom du film? Tu imagines? Imagine-tu un seul instant. Oui, ça tourne. Vous avez réussi à ouvrir une porte. Allez, oh, ok. Je la récupère et je la range précieusement. Hein? Donc là, c'est un petit peu un labo ou quoi? Il me semble qu'il manque quelque chose. Oui, regardez. Il faut... L'iPad. Ok, attends, regarde les branchements. Là, c'est clairement Ethernet. C'est ça. Mini. J'adore ce jeu. Hein. Oh, mais ce n'est pas un jeu, cher ami. Oh, de fuck. C'est de science. Ah, ça boot. Ah, ça boot. Ça boot. Comment? Professeur, est-ce que vous êtes plus Caris ou Booba? Comment? Okay, oh, bah, la musique de rue. La musique de rue. Un artiste comme ça qui vous inspire rap, hip-hop. J'ai pris le métropolitain l'autre soir. Ok, laisse-moi. Oh, ça boot. Ah, c'est ça! Il faut trouver les taux d'hormones correspondant à l'hormone de contrôle de la force, de la fragilité et du comportement. Cet enfant, vous le savez, j'espère. Ouais, j'ai fait elle, frère. C'est pour moi, ça. Oh, il y a un petit comics là, hein, il y a une petite BD pour nous. Nous avons une lettre ici? Oui, c'est pour mes heures perdues. Oh là là, il y a une lettre, oh les gars. Oh là là! Le bon dosage est de. Oh bah, il y a une tâche. Une tâche de café, couillon. Pardon, mais couillon. Mais c'est pas moi. Ah bon, d'accord. Le professeur Edmond Epsilon. Il me gueule dans l'oreille. Constaterez immédiatement les trois effets suivants sur le patient. Il regardera fixement la caméra dans sa chambre en se balançant de gauche à droite et en tapant dans ses mains. J'arrive pas à suivre. J'ai testé ce dosage sur plus de 150 patients. Je crois que ça n'avance à rien, ça. Si, ça va forcément. Ah, n'est-ce pas le bon dosage, les amis. Il faut trouver un milieu. Oh, regarde, j'ai trouvé un sigle. Ah, tu l'as. Le sigle en rouge. Contrôle de fragilité. Fragilité. Ouvre-moi ça. Feuillette. Alors doucement, prenez. Il y a des. Ah, regarde, on va pouvoir mettre là. Comme ça, machin. Regarde le pied. Attends, regarde, mec, écoute-moi. La main, c'est que ça. Mais pourquoi? Regarde, ça va donner un chiffre en bas. Ah, regarde, oh, regarde. Wow. C'était sûr. Apparemment, regarde, il y a un vrai scientifique parmi vous, contre toute attente. Et bah, figure-toi que c'est le seul café S. Regarde, ça regarde, concorde. Y a un truc, là. Ouais. L'alignement est primordial. Oui, l'alignement, oui. C'est sympa. On a superposé cela pour savoir que ça marchait en superposition. En superposant cela, ça nous donne ici en bas un chiffre qui a l'air d'être 42. Oui, c'est 42. Et donc c'est l'hormone de quoi? Exploser. Fragilité, c'est ça? Ouais. 42. Mais chers amis, n'aviez-vous pas avec vous un troisième élément dans cette fameuse mallette qui pourrait nous aider forcément? C'est vrai qu'on l'avait oublié cette putain de mallette. Je pense qu'on est les pires chiasses. Une fiole, testeur hormonal. Deux gouttes max par tube. Ok, tiens. Regarde. On a le sigle qui est là, donc deux gouttes max. Oui, pas plus. Pas plus. Ouais, bah oui. Faut que je fasse mes lacets, les gars. Vas-y. C'est peut-être pas le. Si, c'est important. Attends, on peut rien faire si je fais pas mes lacets. Petit lapin dans la boucle. Ah oui, voilà. Pardon. Alors. Et l'oreille du lapin dans la boucle ensuite. Voilà. Moi, j'ai pas fait avec des lapins au départ, j'ai fait avec des toucans. Et du coup, ça m'a. Avec les lapins. Non, mais des toucans. Il a été dans les îles quand il était jeune. Il est une enfance difficile. Est-ce que c'est du dingue? Jouons. Allez. Ok, regardez. Là, il y a le sigle qui est là. Deux gouttes max. Vous n'avez pas validé. Il faut valider. Ah, ok, pardon. Eh oui, comment voulez-vous que les valeurs rentrent dans l'ordinateur? Okay. Les gars, écoutez-moi, je pense qu'on va mettre des gouttes partout. Il y a marqué deux gouttes max par tube. Peut-être qu'on peut en mettre sur tout le tube. Ah, bah par tube, bah bien sûr, faut mettre par tube. Bah oui, bah alors. Ah, mais fallait le dire. Il va se passer un truc. Imagine, ça nous pète à la gueule. Oh, c'est fou que ça fasse des couleurs différentes. C'est la chance. Oh putain, je te jure, coup de coude. J'aimerais qu'il y ait de la fumée sur un. Non. Ok. Donc ça fait des couleurs. Très bien. Ça fait des couleurs. C'est cool, c'est. Hein? Ok, le tube témoin, c'est la force. Oui. Donc qui a la même couleur? C'est lui. Oui. Et lui, il a marqué 198. Donc 198. Je peux le faire. Vas-y, fais-le. C'est amusant. 1, 9, 8, ouais. Validé. Ah, c'est vert. Oui, c'est bon. Ok, comportement. Il faut trouver. Comportement. Il faut trouver le sigle. Point d'exclamation. Dans les tiroirs, les hosts. Ah, un truc urgence, non? Genre.
Bon. J'ai l'impression d'être... Allez, oh, allez, y en a plusieurs. Vous remarquerez que c'est moi qui ai dit fouille dans les tiroirs. C'est vrai. Bravo. Oh la gueule. On sent chacun un dossier, s'il vous plaît. Hormones de contrôle du comportement, 289. Ok. Regardez, il y a des chiffres en haut à droite. Elle a eu 289. Ah, mais attendez, la lettre, elle parlait du comportement. Il y a un truc forcément, regardez. Ah, oui, bien sûr. L'observation, les amis. Pourquoi 154. Il est tellement plus 99. Intéressant de voir les patients que d'étudier leurs dossiers. Les gars, vous avez entendu la phrase? Il faut voir les patients plutôt que regarder dans les dossiers. N'est-ce pas fascinant? Voir les patients. Et les voir avec vos yeux. Attends, mais où? Là, il y a un tiroir qu'on a pas. Oh la vache, je veux les voir, bordel de merde. Mais oui. Mais restez Polly. Oh l'angoisse. Ah, c'est elle. Patient 2, gauche à droite, Attends, patient 3. Non, il faut voir, attends, regardez. La lettre dit, en gros, ceux qui ont Étudiez le bon... Étudiez bien leur comportement. Écoutez-moi, et constaterez immédiatement les trois effets suivants. Il regarde fixement la caméra de sa chambre en se balançant de gauche à droite et en tapant dans ses mains. Qui regarde, se balance et tape dans ses mains? Personne, là. Personne. À mon avis, il y a d'autres caméras, c'est forcé. Attends, mais on fait de l'audiovisuel, regarde bien. Et là, tu joues à Pac-Man. Vas-y. Et ici. Ah, bien ouais. Patient 6. Okay. Appuie sur d'autres. Patient 7? Non. Ah, il y en a. Patient 7, regarde, c'est Seb Lafrite, regarde. Putain, c'est incroyable. Qui regarde la caméra, qui tape dans les mains. Vas-y, refais. Là, il tape pas dans les mains. Il faut se là, il tape pas dans les mains. Attends. Laisse. il fait la brasse, ce con. Putain. Pourquoi ça c'est rouge et ça c'est vert? C'est vert en fait. Attendez. Oh. Ah non, oh. Il regarde pas fixement. Ah putain. Ah ouais? Ouais, non. Il a un strabisme de fou, c'est sûr, c'est pas lui. Moi, je pense que c'est. Cela ne change rien à son comportement. Là, il a tout, lui. Il tape dans les mains, il se balance et il regarde la caméra. Oui, mais il a un gros strabisme. Ouais, bah, on dirait Monsieur Chanon. Il essaye de regarder la caméra là. Il essaye quand même. Moi, après, c'est l'univers lui a donné ça, il faut pas lui en vouloir. Ah non, c'est normal. Exactement. Allez, viens, c'est le patient 5. Même quand on est d'accord, il est chiant. Le patient 5, il est où? 5, patient 5. Lui, il voit très bien. 6, on s'en branle. T'es dedans. 5, je l'ai. 83, c'est 83. Allez, 83. Ok, 83, c'est validé. Ouais. Oui. Protocole finalisé. Faites-moi. Allez-y, prof. Félicitations, vous avez réussi à établir le protocole là, du sérum. Allez, on y va. On vous suit? Non, restez là. Très bien. Je vous apporte le stabilisateur moléculaire. On a été bon sur celui-là. Il me fait flipper. Il y a potentiellement du cérumen. À foison. Ah, vous avez la photosynthèse, vous faites de la photosynthèse. On peut te regarder. Chut, attention. Il fait flipper, il va se passer un truc. Je sens. Attention. Okay. Je suis trop près. La moindre perturbation de l'espace pourrait tout faire exploser. Ne jouez pas au plus fin. Oh là. Incroyable. Ça marche. Mais comment? Oui, ça fait de la fumée, quoi. Je suis certain que vous êtes impatient d'administrer le sérum. Je suis excité comme une puce. Ah, ouais. Prof, je cache pas qu'il y a un poil d'haleine, voilà. Ouais. En fait, ce qu'il faut, en plus de se laver les dents, c'est... Bonne nouvelle. Vous allez pouvoir administrer vous-même le sérum sur notre patient test. Okay. Ah, cool. Il suffit de prendre un échantillon. Oui, ça se tient. Là. Juste ce qu'il faut. Point trop d'infos. L'enfance de l'art. Plus c'est trop et moins c'est pas assez. Tu imagines? C'est comme les gars, le premier jet du. Alors il y en a qui ont plusieurs jets vraiment. Démarche scientifique, oui. Observation, c'est vrai. Expérience, j'aime ça. C'est moi qui font ça? Oui. Ok. Vous allez pouvoir l'administrer aux patients. Est-ce que tu peux nous emmener? Il est extrêmement sensible au niveau des oreilles. Oh là. Okay, les gars, et il dort profondément. Okay. Toi t'es le plus scientifique. Moi je suis le plus KRH, je passe en premier. Toi t'es le plus. Coulant. Oui. Je vous en prie. Ah, je déteste, c'est... Comment on appelle ça, un molletonné? Chut, il dort. J'ai peur d'avoir peur. Oui, bien sûr. Allez-y. Tu me pousses, je sens que tu vas m'enfermer dedans. Mais non. Oh, suis-je bête? J'ai oublié de stériliser la seringue. Je reviens. Allez, on va. Mais c'était sûr, le bâtard. Non. C'est lui le bâtard depuis le début. Je le savais, je le sentais. Professeur, je viens du 9-2, je te jure, je vais te poucave. Est-ce que c'est quelqu'un avec son tel? Non, j'ai pas mon tel. Non, on a pas au téléphone. La lumière cherche. Ok. Putain, bien wedge. Oh, on a de la schneck. Oh, les gars! Une télé pour jouer comme à l'époque, cathodique. Et quel est l'intérêt pour lui de nous enfermer en fait? Rappelle-toi, on doit administrer le sérum. Les gars, il y a une caméra là. Au patient. Ah, c'est peut-être la branchée. Regarde. Oh, tu te rappelles de ça, frère, à l'époque? Une petite péritelle. Attendez. Non, c'est pas une péritelle exactement. Non, c'est. C'est RCA. Ok, là j'ai rien. Le son droite, le son gauche et la vidéo. Il nous manque un câble, cherche un câble. Ouais, là y a pas ce qu'il faut. Oui, y a un truc à brancher. J'espère que votre nouvelle chambre vous plaît, mes petits agneaux. Bah non, pas du tout, mec. Wesh! Oh le bâtard! Ah, c'est pas horrible. Du tout Feng Shui. C'est toi qui fais ça? Ouais. Putain, mais... Okay, le prof, je vais le défoncer. Je t'attends, mon petit chat. On te parle. Tu dessapes le patient. Mais regarde dans ses poches, il a pas des trucs. Sa bite est en métal. Ah, il y a des trucs. Le câble. Quoi? Le câble. Je m'en occupe. Alors, ça c'est... Mais arrête de me le prendre. Pardon, excuse-moi. Je suis en train... Non, ça j'aime pas. Je suis en train de le faire, me le prendre. Tu dis quoi, ton connard? Vous ai-je dit que l'oxygène est limité? Ah, ok. On a réussi.
Je suis le professeur Santin. Chut. Si vous découvrez cette vidéo, ça veut dire qu'il vous a enfermé vous aussi. Le patient test, il a complètement perdu la tête. À l'évidence, mon sérum ne fonctionne pas très bien. Je suis rentré dans sa chambre et il était enragé. Il m'a sauté dessus et... C'est quoi, c'est vrai? Je sais pas. Je suis blessé. Mais vous, vous pouvez vous en sortir. Dans ce calepin. J'ai tout essayé. Ah putain. Quoi? Je sais pas. Calepin, frère, calepin. Attends, calepin. Il l'a mis sous le lit. Sous l'oreiller, tête. Fais gaffe, faut faire gaffe avec lui, tu le maltraites. Oh, il a un petit chapeau cool par contre. Oh, ouais. J'adore, je peux le porter, s'il te plaît. Ça me va trop bien, ça. C'est trop impeccable, regarde ça. Fais voir, mets-le. Bien, franchement, toujours pas. Tu viens de regarder une vidéo, on n'a pas vu où il a mis le calepin? Bah non, parce qu'il filmait mal, ce schlack. Où est-ce qu'il a mis son calepin? Ah putain, mon nez. Putain, il m'énerve. J'espère que vous appréciez votre camarade de chambrée. On n'a pas laissé grand-chose, hein. Putain, là, on est... Tire, tire le tiroir, même si tu vois pas dans le noir. Double fond, il y a un double fond. Ah, ok, j'ai une idée. Je te raconte. Yes. Ok, yes. Putain. Oh putain, yes. Ok, alors ça par contre... Il y a une équation. DBX. C'est la formule à retenir. Ah, mais ça par contre, moi je suis à chier. Moi je suis à chier. C'est toi qui as fait non, S. Non, non, mais il y a forcément un truc. Et là-dessus, regardez. C'est une pub. Là-dessus. C'est une sur le coussin. Oh, ah, mais bien sûr, putain. Dis-moi. PB, ah, mais oui, c'est son. PB Nova, tiens, prends ça. Écoute-moi. Ce sont des molécules du tableau d'éléments. P comme Paul, B comme Bastien. Oui, oui, oui. PB, je l'ai. 82. Attends, tu fermes les guillemets, tac. Et tu sais x10. X10, ok. Et comment on calcule ça, sa mère? Moi je sais le faire. Qu'est-ce que ça? Elle est là, la calculatrice. Ah, la calculatrice. Excusez-moi, même si j'ai fait L, je me rappelle très bien comment ça marche. Okay. Vas-y, c'est quoi alors? Attends, attends. Oh, pardon. Eh, hey, combien de gens? Combien de gens? Vas-y, brésilienne, brésilienne. Elle touche pas, elle touche pas, elle touche pas. Quel film, quel film? Aziz, lumière. Chaque élément. Bravo. Allez, on fait d'abord la multiplication qui est entre parenthèses. Fois 54. Quel film? Je suis ton père. Les ch'tis de famille, 4428. Ok, plus 94. Ça fait 4522 au total, fois 10, 10. Bah 45220. Et c'est le code. 45220. 45 000. 5, 2, 0. Ah ouais, c'est culé. Qu'est-ce qu'on fait pour sortir de là maintenant? Et c'est non, fermé. On sort carrément. Je m'emballe. Oh putain. Ok, on va emballe, les gars. Oh la vache. Tout va bien aller. Là, il y a une clé. La clé, elle va ouvrir là. Oh là 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 là, c'est sûr. Il est incroyable. Mais oui, la merde, clé, putain, mais j'ai fait quoi de la clé? Quel truc à ouvrir? Merde, j'ai pris. Il y a un casier là avec un cadenas et j'avais la clé il y a 2 secondes, je l'ai paumé comme un schlag. Oh non, il a paumé la clé, putain. Mais arrête de jeter les choses. On s'organise. Attends, attends. Là, j'ai la clé là, les gars. Je l'avais prise et je l'avais posée là-bas. Dans le noir. Il pèse une clé qu'on a pas utilisée dans le noir. Dans ton temps. Allez, mais là, nous avons le lapin. Batch. Là, on occupe le reste. Attends, qu'est-ce qu'il écrit? Batch de sortie. Vite, 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 vite. Ah, c'est... Oh le bâtard. Oh, putain, il y en a tellement. On divise, tiens. Ok, on les essaye tous, vous croyez? Ouais. Ne partez pas. C'est une couille. On va s'amuser. C'est bien. Libérez-moi. Oui, oui, oui. Bien sûr, on s'en occupe. T'as mangé ce matin parce que t'es pas en forme là? C'est ça, fais le malin. Tu verras quand je t'aurai attrapé. Je saurai. Laissez-moi. Il est là, il arrive. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah non. Attrape ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Je pétard. Le pétard avec blague. Le sérum, il faut pas lui donner un truc. Ah oui, le sérum. Ah oui, putain. C'est la bête, je vais chercher le sérum. Il est en bas. Je vais le pétard. Attends, vous êtes sûr de ce qu'on fait? Je sais pas pourquoi, ça sert à rien peut-être. Faut le tenir, faut le tenir, faut le tenir. Chope-le, chope-le, chope-le. Chope-le, Karl, va l'aider, va l'aider. Comment on fait? Je sais pas comment on fait. Vas-y, putain. Il va me mordre, il va me mordre, vas-y. Vas-y, go. Mais dans son... C'est bon. Il se calme, il se calme. Pokémon, attrapez-les tous. Oui. C'est fou! Tiens, vérifie s'il a pas de la thune. C'est ça qui est C'est ça qui est Crie de guerre, crie de guerre! C'est juste là, juste là! Les gars, j'avais jamais fait d'escape et c'est incroyable! Excusez-moi, j'ai pas pris de ventoline avec moi. On va s'en récupérer. Ah, c'est horrible! C'est la meilleure chose! C'est fou! C'est la meilleure chose! C'est trop bien! Vraiment, c'est là, tu vis le truc et c'est assez fou quoi! Comparé aux escapes que t'as fait, c'est pas. Bah là, j'ai jamais vu, il y a un acteur qui est avec toi. Tu vis le truc et puis la fin est vraiment épique quoi! Genre, le mec te saute dessus, c'est fou! Je sais pas, vous avez regardé la vidéo, est-ce qu'on a été bon, mauvais? J'ai aucune idée. Moi, j'ai aucune rêve. On s'est fait beaucoup aider. N'avez-vous donc rien emmené avec vous? Il est tellement plus intéressant de voir les patients. Mais on n'a pas été très très bons, mais on a réussi ensemble parce qu'on est des frérots. C'est vrai. On a tout pété. On est des frérots. On est devenus des frérots. Frérots, c'est plus fort que frères désormais. Ouais, celui-là, par contre, non. Celui-là, il sera pas ouvert. Vous allez en avoir un autre parce que celui-là, c'est juste pour la sortie du film Glass qui est en salle depuis aujourd'hui. Je voudrais faire un gros big up au professeur.
qui déchire. Ouais, franchement, il était incroyable ce mec. Professeur, ouais, bravo. Ouais, ça va, quelle est ta vraie identité? Arnaud Leridan, comédien. Allez, putain, bravo. Mec, c'était trop bien. Merci à vous. Regarde, je te fais un petit plan. Et en vérité, t'as pas de mauvaise haleine, c'était juste pour créer du contenu. Clem, on a été comment? Vous avez été très bon. 43 minutes. On a fini en 43. Merci Léo, merci d'être venu sur cette vidéo encore. Merci donc à Disney qui nous ont permis de faire tout ça pour la sortie du film Glass qui est en salle depuis aujourd'hui. Et tout ça s'est inspiré de l'univers du film. Si vous connaissez pas, c'est la suite de Incassable de Split. Vous allez voir, c'est évidemment complètement fou. Le film démonte. On vous encourage à aller le voir et c'est vraiment parce que le film nous plaît et la trilogie et nous plaît aussi. Et un peu la thune aussi. Non. Mais ça démonte. Franchement, c'est trop bien. Merci à toute la team, Flo Sam, Martin Bonami, Théo, vous savez, comme d'habitude. Et à vous tous, mes petits Justins. On vous aime profondément. 2019, ce sera les Justins. C'était notre premier tournage de l'année 2019. Ouais. D'ailleurs, vous allez voir dans les vidéos d'avant, j'ai les cheveux rouges et je suis blanc. D'un coup, je deviens blond et bronzé et je redeviendrai dimanche prochain rouge avec les cheveux. Tu connais notre phrase de fin ou t'es pas trop YouTube game? Je connais pas la phrase. Alors à ce moment-là, on te laisse inventer un gimmick de fin, une salutation, un mot-clé pour dire au revoir aux gens. Ah, ciao les loulous. Ouais, j'adore à ciao les loulous. Votez en commentaire, est-ce que vous voulez qu'on garde souscrivé à un abonnement ou à ciao les loulous? À ciao les loulous.